Disons, pour faire court, qu'elle fut une intellectuelle, une journaliste à la presse, à Châtelaine, une directrice de revue Situation, Visio aussi, je crois, une co-directrice de galerie d'art actuelle, une directrice de musée, le Musée d'art contemporain de Montréal, une poète, une professeure au département d'histoire de l'art de l'UQAM, une autrice prolifique, comme on dit maintenant, en insistant beaucoup, toujours dans le devoir, sur le mot « autrice », qui m'exaspère. Bon, dans le cas de Fernande Saint-Martin, vous pensez bien que l'Académie se shootait à la gloire et constatait que son arrivée dans nos rangs répondrait à notre idéal de tenter de rassembler ceux qui pensent et ceux qui écrivent, ceux qui cherchent et ceux qui trouvent, ceux qui tracent la route et ceux qui montrent le chemin. La réception de Fernande Saint-Martin à l'Académie des lettres du Québec date de 1974, à une époque où son militantisme, son féminisme, son ardeur dans les médias annonçaient des batailles qui étaient loin d'être gagnées, tandis qu'elle lançait dans ses recherches et ses publications des champs de réflexion et annonçait des avancées puissantes. Elle croyait aux institutions et aux rôles qu'elle pouvait jouer pour changer les choses. Elle en a dirigé plusieurs, revues, musées ou organismes, et y a laissé sa marque. En fait, je ne me souviens pas précisément de la première fois où j'ai rencontré Fernande Saint-Martin, mais chaque fois, c'était comme la première fois. C'est-à-dire que la femme était vive, intelligente, exigeante. Chaque fois, c'était assez pour discuter, être d'accord ou pas. Chaque fois, assez pour que penser ne s'arrête pas après la conversation. L'apport capital de Fernande Saint-Martin à la littérature québécoise réside dans l'immense diffusion qu'elle lui a permise. Pendant ses 13 ans à la revue, Saint-Martin nous a présenté 296 nouvelles littéraires et extraits de romans de 132 auteurs québécois sous sa direction. Châtelaine faisait valoir les droits, les idées et les talents des Québécoises. Saint-Martin a fait avancer la cause des femmes. Elle a amené la société à la réflexion. Qui peut croire que suspendre des rideaux et faire la lessive sont des activités aussi valables que suspendre des ponts et guérir les enfants de la polio? Avril 64. Ce fut, avant la lettre, le cégep des femmes. Pour ceux d'entre vous qui sont allés au Musée d'art contemporain, ces années-là, vous vous souvenez de l'humidité qu'on ressentait dès qu'on entrait. Et donc, la Corporation des musées trouvait que les conditions muséales n'étaient pas appropriées pour recevoir une telle collection. Et donc, la correspondance que j'ai eu l'occasion de lire, celle-là, montre justement tout l'argumentaire que Fernande Saint-Martin a dû bâtir auprès de la Corporation des musées nationaux pour recueillir cette collection qui a fait pendant un temps l'orgueil du musée.
Et contrairement à ce qu'en pensent les mauvais esprits, ce n'est que 2 ans après son départ à la direction du musée que Molinari a pu exposer ses quantificateurs. Coïncidence ou évolution normale, à ce moment précis où elle osait parfois révéler ses affects, ses recherches prenaient une autre orientation. De l'approche désubjectivante avec laquelle elle apportait l'analyse des œuvres d'art, elle se mit à explorer le domaine des émotions sous un angle psychanalytique, en parlant notamment d'extase et de tragédie face à des œuvres comme celle de Marc Rothko, par exemple. Les seules structures du langage visuel, du point de vue d'une grammaire formelle, ne lui suffisaient plus. La signification devait, comme elle le disait, déborder l'espace des percepts pour rejoindre celui des affects. Je rappellerai tout simplement que cette galerie d'art située au 278 rue Sherbrooke-Ouest a traversé bien rapidement la vie artistique montréalaise de 1955 à 1957, avec une trentaine d'expositions d'art non figuratif. Fernande écrivait les communiqués de presse, était la mécène, une sorte de pusher, je dirais, en payant le loyer alors que les camarades, peintres et photographes, mettaient à contribution leur talent de bricoleur pour faire rouler les expositions à une vitesse d'enfer. Fernande Saint-Martin profite d'échanges internationaux pour accueillir des expositions de l'étranger sans casser la tirelire. Il y a bien longtemps que l'on a vu un événement littéraire de cette envergure dans un musée au Québec. Les expositions sont présentées pour une période d'un mois. Ça rappelle un peu le rythme de l'actuel où l'exposition était aux 2 semaines, je pense. C'était un rythme absolument infernal. Lors d'une entrevue accordée par Fernande Saint-Martin au chroniqueur Jules Toupin de la presse le 5 juillet 1975, celle-ci pose l'expansion du musée au cœur de la ville comme une idée première et centrale à son développement. Il faudra 17 ans avant que ce projet ne se réalise. Et on peut dire que lorsqu'elle a décidé de ne pas renouveler son mandat après 5 ans aux États contemporains, Fernande Saint-Martin avait réussi, malgré toutes les embûches semées par le ministère des Affaires culturelles, à remplir une partie du mandat qu'elle s'était donné. Merci, Fernande. In 1960, I left Montreal definitively for Europe and lost touch with them in their years of celebrity. Before leaving, I published a short book that Fernande, with her usual openness and generosity, reviewed with more care than it deserved. Peter Byrne, Lecce, Italy. Elle était remarquable. Dans l'entrevue avec Christine, à un moment donné, elle va dire, elle revient sur son passage, elle va dire, ah, en 1972, par le plus pur des hasards, je me suis retrouvé au Musée d'art contemporain. Alors, l'expression par le plus pur des hasards est vraiment très, très, très mauvaise. Ce qu'on voulait annoncer, c'est que la Fondation nomme les salles d'exposition à l'étage, donc salle espace Fernande Saint-Martin. Vous allez voir, je sais pas quand vous allez revenir dans une couple de semaines, espace Fernande Saint-Martin, ça va être.